Dans cette vidéo, on va montrer que l'anneau D des décimaux est un anneau principal. Dans la description, je placerai un lien vers une vidéo qui présente l'anneau des décimaux. Je vais supposer que les anneaux avec lesquels on travaille sont des anneaux commutatifs. Je dis ça à cause du contexte de l'anneau des décimaux qui est un anneau commutatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un anneau A donc, est un anneau principal? Eh bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que donc A est un anneau et que A en fait est un anneau intègre. Et puis ça signifie que tout idéal de l'anneau A est un idéal principal. Maintenant, soit I un idéal de A. Qu'est-ce que ça veut dire que I est un idéal principal? Ça veut dire que I, en fait, peut être engendré par un seul élément x de l'anneau A. Autrement dit, qu'il existe un élément petit x dans grand A, tel que I soit l'idéal de A engendré par x. Alors, dans cette notation, qui signifie donc idéal engendré par x, il n'est pas fait mention de l'anneau correspondant, donc je vais le mettre en indice. Et ça veut dire que I est l'idéal de l'anneau engendré par l'élément x appartenant à A. Alors, pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on appelle l'idéal de A engendré par un certain élément x appartenant à A? C'est l'ensemble de tous les produits AX lorsque A, petit a, varie dans grand A. Hein. J'ai supposé l'anneau commutatif, donc les produits AX ou les produits XEA, c'est pareil. Donc, on va se donner I un idéal de l'anneau des décimaux. Et donc, on veut démontrer que I est un idéal principal. Alors, avant de faire ça, on va établir le résultat suivant. On va considérer l'intersection J de I et de l'anneau Z. Alors, si je fais un petit dessin, donc j'ai l'anneau des décimaux ici, j'ai donc Z qui est inclus dans, c'est un sous-anneau de D, et puis je vais considérer donc un idéal de D, donc je vais dessiner à peu près comme ça. Donc là, j'ai un idéal, donc I de D, et là, je vois donc l'intersection J de l'idéal I et de Z. Et donc, ce qu'on va démontrer, c'est que J, bon, qui est une partie de Z, eh bien que J est un idéal de l'anneau Z. Alors, je vais rappeler brièvement que signifie qu'une partie I d'un anneau A soit un idéal de A. Donc, je rappelle que je suppose l'anneau A commutatif. Eh bien, ça veut dire que I vérifie les trois propriétés suivantes. Premièrement, c'est que I n'est pas vide, et plus précisément que le neutre additif de A est dans I. Deuxièmement, ça veut dire que I est stable pour l'addition de A. Et puis, troisième point, c'est que I est fortement stable pour la multiplication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fortement stable? Eh bien, ça veut dire que chaque fois que je prends un élément petit a de l'anneau, et chaque fois que je prends un élément petit x de l'idéal i, eh bien le produit ax va être dans i. Donc c'est non seulement que i est stable pour la multiplication, si je fais le produit de deux éléments de i, ce produit va être encore dans i, mais c'est plus fort que ça. Si je fais le produit de n'importe quel élément de l'anneau par un élément de i, le produit sera dans i. Alors maintenant, on va montrer que J est un idéal de Z, donc en examinant les trois points les uns après les autres. Alors pourquoi 0 est-il dans J? Eh bien, parce que ben, J, c'est I, l'intersection de I et de Z, donc il suffit de montrer que 0 est dans I. Alors 0 est dans I, ben, tout simplement parce que I est un idéal de D. Et donc qu'il contient 0, et puis évidemment 0 est un entier. Donc au total, bah, j'en déduis que 0 appartient à l'intersection de i et de z, et donc appartient à j.
Maintenant, on va montrer que J est stable pour l'addition. Donc, je vais me donner deux éléments X et Y de J et je vais montrer que la somme X plus Y est encore dans J. Comme J, c'est l'intersection donc de I et de Z, bien, il suffit que je démontre successivement que X plus Y est dans I et que X plus Y est dans Z. Alors, pourquoi X plus Y appartient à I? Eh bien, X et Y sont dans J. Comme J, c'est l'intersection de I et de Z, ça entraîne que X et Y sont dans I. Et comme I est un idéal, eh bien, ça veut dire que la somme X plus Y est dans I. Et puis, donc, ce qui répond à la question. Et puis, pourquoi X plus Y est entier? Eh bien, tout simplement parce que X et Y étant dans J, ça entraîne que X et Y sont des entiers. Et donc évidemment, ça entraîne que x plus y est un entier. Donc quand je réunis ça et ça, eh bien, j'en déduis que x plus y appartient à l'intersection de i et de z et donc appartient à j. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va prouver que j est fortement stable. Donc comme j est censé être un idéal de z, je vais prendre un élément petit a de l'anneau z. Je vais prendre un élément x appartenant à J et je dois donc démontrer que le produit AX appartient à J. Donc J, c'est l'intersection de I et de Z. Donc je vais déjà prouver que AX appartient à I. Alors A, il appartient à Z, mais on a vu que Z était inclus dans D. On sait par ailleurs donc que X appartient à J. Donc x appartient à i. Et comme eh bien, i est un idéal, il est donc un idéal de D, i est fortement stable. Donc quand je fais le produit de l'élément a qui est dans D et de l'élément x qui est dans i, eh bien, le produit ax, il appartient à i. Et donc ça établit cette première appartenance. Et puis l'autre est très simple. Puisque donc A est un entier par hypothèse, c'est écrit ici. X appartient à J, donc par définition de J, X appartient à Z, X est un entier, et donc évidemment le produit AX est dans Z. Et donc quand je regarde ces deux assertions conjointement, eh bien je vois donc que AX appartient à l'intersection de I et de Z, et donc appartient à J comme souhaité. Donc finalement, les trois conditions à satisfaire ont été vérifiées et je peux en conclure donc que J, qui est l'intersection de I et de Z, est un idéal de l'anneau Z. Un petit rappel, ici J est un idéal de Z, donc je vais rappeler ce qu'on sait sur les idéaux de Z. Eh bien, on sait que tout idéal de Z est du type N. Z, où donc n est un entier naturel. Donc ici, dans notre cas, puisque J est un idéal de Z, ça veut dire que il existe un certain entier naturel, disons grand N, tel que donc J, ce soit grand N Z. Et donc l'idéal engendré, je vais l'écrire comme ça, c'est standard, avec des parenthèses. Simplement, cette notation ne fait pas mention de l'anneau, donc je vais préciser qu'il s'agit d'un idéal de Z. Donc on veut montrer que I est un idéal principal de D, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut trouver un certain élément petit g de l'anneau D, tel que notre idéal I, soit l'idéal de D engendré par l'élément petit g, donc ce que je vais noter comme ça. Et puis je rappelle donc ce que c'est que l'idéal de D engendré par l'élément petit g, c'est l'ensemble de tous les produits AG lorsque petit a varie dans l'anneau D. Alors je vais partir d'un élément x arbitraire de notre idéal. Et déjà, comme x est dans l'idéal I et que l'idéal I est un idéal de D, bon, ben, ça veut dire évidemment que x appartient à l'anneau des décimaux et que x est un décimal. Et donc si je traduis que x est un décimal, ça veut dire qu'il existe une puissance de 10,
Donc 10 puissance n qui multiplié en x donne un entier. Donc il existe un exposant petit n dans z tel que 10 puissance n x soit un entier. Mais en même temps, quand je vois ce produit 10 puissance n x, donc c'est le produit de x qui est dans l'idéal i par 10 puissance n. Or, 10 puissance n appartient à l'anneau de décimaux. Pourquoi? Eh bien, 10 puissance n, si je multiplie par la puissance de 10, 10 puissance moins n, eh bien, ça fait 1 qui est un entier. Donc, ça prouve que 10 puissance n est un élément de D. Maintenant, regardons le produit qu'on a vu ici, 10 puissance n x, c'est le produit donc d'un élément de D et d'un élément de I. Donc, comme I est un idéal, I est fortement stable, est un idéal de D, j'en déduis donc que cet élément, eh bien, il appartient à I. Maintenant, si je me fixe sur les deux résultats que je viens d'obtenir, donc ce dernier résultat-ci et puis le résultat qu'on avait obtenu là, on voit que 10 puissance n x appartient aussi bien à z que à i. Donc on en déduit que 10 puissance n x appartient à l'intersection de i et de z. Et ça, on l'avait appelé tout à l'heure j. Mais on a vu précédemment que j était un idéal de z. Et on savait donc que J est un idéal principal et on avait appelé N, donc N est un entier, un générateur de cet idéal. Par conséquent, donc notre élément ici, 10 puissance N x, appartient donc à cet idéal. Et donc par définition de l'idéal engendré, eh bien, ça veut dire que notre élément 10 puissance N x va s'écrire Kn pour un certain entier K. Parce que on a vu tout à l'heure que l'idéal de Z engendré par un élément n, c'était l'ensemble de tous les produits Kn lorsque K variait dans Z. Donc j'en déduis ici que je peux extraire x. X va s'écrire donc Kn sur 10 puissance n. Que je vais réécrire plutôt de la manière suivante, k sur 10 puissance n que multiplie grand n. Et là, je me rends compte en fait que l'élément qui est ici, eh bien, disons que je vais l'appeler q, cet élément, il appartient à d. Pourquoi? Parce que si je fais 10 puissance n q, donc si je multiplie q par une puissance de 10, eh bien, par construction, ça vaut k, et k est un entier. Donc si je multiplie k par une certaine puissance de 10, j'obtiens un entier. Ça veut exactement dire que q appartient à d. Donc x s'écrit qn, où q est un élément de d. Par conséquent, ça veut dire que x appartient à l'idéal de d engendré par l'élément n qui est ici, qui se trouve être un entier, mais étant un entier, c'est aussi un décimal. Et finalement, comme x était arbitraire dans i, eh bien, on vient de prouver l'inclusion selon laquelle i est inclus dans l'idéal de d engendré par l'élément, l'entier n. Maintenant, on va prouver qu'on a l'inclusion inverse, c'est-à-dire que l'idéal de d engendré par l'élément n est inclus dans i. Donc pour ça, en fait, il suffit que je regarde l'entier n. Et que je montre que l'entier n appartient à i. Or, d'où vient cet entier n? Eh bien, l'entier n, c'est le générateur entier strictement positif de l'intersection de notre idéal i de d et de z. Donc, évidemment, comme n appartient à l'idéal de z engendré par n, ça veut donc dire que n est ici. Et si n est ici, ça veut dire en particulier que eh bien, n appartient à i. Et si n appartient à i, comme i est un idéal, eh bien, par expansion, ça veut dire que l'idéal, donc i est un idéal de d, donc l'idéal de d engendré par n est inclus dans i. Hein. Pourquoi? Parce que l'idéal de d engendré par n, c'est le plus petit idéal de d qui contient n.
Et comme i est un idéal de d qui contient n, eh bien fatalement, c'est que j'ai cette inclusion. Donc cette inclusion, conjointement avec l'inclusion qu'on avait établie à l'instant précédemment, eh bien nous montre que finalement, i, c'est l'idéal de d engendré par l'élément n, l'entier n, et ainsi on a prouvé que i était un idéal principal.